Positionnez les bras dans le prolongement des épaules, bras en croix, paume des mains vers le plafond. Sentez bien toute la ligne de vos épaules dans le sol. Et à l'inspire, on va tourner la main gauche sur l'axe du petit doigt, de manière à décoller l'épaule gauche. Et à l'expire, on redépose son épaule dans le sol et le dos de la main dans le sol. Inspire, rotation du bras gauche. Expire, je redépose. Inspire, rotation du bras gauche avec la tête qui tourne à gauche. Expire, je redépose. Inspire, rotation du bras gauche avec la tête qui tourne à droite. Expire, je ramène la tête, je ramène mon épaule. Inspire, rotation du bras gauche, tête à gauche et les genoux descendent à droite avec l'aide du bassin gauche. Et je ramène les genoux, la tête, la main et le dos en dernier. Inspire, rotation du bras gauche, tête à droite, bassin gauche, genou à droite. Et je ramène les genoux, la tête, le bras et le dos. Prends le temps de comparer le côté gauche et le côté droit, la différence entre le côté qui a travaillé et celui qui est resté immobile. Du bras droit, expire, ramène le dos de la main vers le sol. Inspire, rotation du bras droit, tout en douceur, expire, repose le dos de la main dans le sol. Nous associons la tête, inspire, rotation du bras droit, tête à droite. Expire, je ramène la tête et le bras. Inspire, rotation du bras droit, tête à gauche. Et je ramène la tête, puis le bras. Nous associons la descente des genoux. Inspire, rotation du bras droit, tête à droite, genou à gauche. Expire, ramène les genoux, la tête, le bras, le bassin en dernier. Inspire, rotation du bras droit, tête à gauche, genou à gauche. Et je ramène les genoux, la tête, le bras et le bassin en dernier. Replacez les bras le long du corps.